Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue en ce dimanche 3 mars pour notre premier culte du mois. Je suis avec tonton Merdi. Salut. Et tonton Sublime à la caméra. Et ensemble, nous allons passer un excellent moment. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Nous allons incliner nos têtes et puis nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés durant toute la semaine, durant tout le mois de février, il était avec nous. Et nous voulons simplement lui dire merci parce qu'il nous a donné le souffle de vie, la force. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est toi qui nous as réveillés ce matin, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous as gardés tout au long du mois de février, Seigneur. Tu étais là avec nous, Seigneur. Tu as marché avec nous, Seigneur, ô éternel Dieu. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que tu nous as protégés, Seigneur, de tout danger, Seigneur. Tu as gardé nos familles, Seigneur. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons t'offrir nos actions de grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu as été bon pour nous, parce que tu es bon pour nous, Seigneur, ô éternel. Tous les jours, Seigneur, tu nous as démontré ton amour et ta fidélité, Seigneur. Raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons te célébrer aujourd'hui. Raison pour laquelle nous voulons encore te louer, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Oui, nous te prions encore, Monsieur Saint-Esprit, de vouloir venir encore prendre le contrôle de ces instants. Que toi, ce soit au centre encore de ces instants, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a une chanson pour vous. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et qu'il nous a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous savez, nous, on l'a mis en chanson afin que nous puissions retenir, mais aussi que nous puissions nous approprier cette vérité, que nous puissions, à chaque fois, même si tu oublies le passage, tu peux bien retenir la chanson et te dire, oui, je connais un passage de la Bible et c'est sous forme de chanson. Alors, nous allons... Comme le verset le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Alors nous chantons juste ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Je veux parler, je veux avancer pour Jésus.
Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Oui, moi je veux marcher, je veux parler. Je veux avancer pour Jésus. Oui, je veux marcher. Je veux parler. Je veux avancer pour Jésus. Est-ce que tu te souviens du passage? Tant et tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Amen. Tant et tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Amen. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur parce qu'il t'a donné réellement son Fils Jésus. Comme le passage le dit, si tu crois seulement, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. La Bible dit encore plus loin, toujours dans Jean chapitre 1, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné Jésus, et dire merci à Dieu pour dire Seigneur, merci parce que tu m'as donné Jésus. Jésus est mon ami, Jésus est celui qui est toujours avec moi, même à l'école, même dans le bus, quand les parents ne sont pas là, Jésus est toujours avec moi. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur? Bien plus, au-delà d'une présence sur cette terre, il te garantit une présence même dans l'éternité. Seigneur, oui, mon parcours avec toi commence sur cette terre, mais il continue même, Seigneur, ô Dieu, dans l'éternité. Oui, tu as tant aimé le monde, Seigneur, ô Dieu. Oui, tu m'as beaucoup aimé, Seigneur, ô Dieu. Oui, que tu as donné ton Fils Jésus, celui qui comptait plus pour toi, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, ô Dieu. Oui, Seigneur, ô Dieu. Oui, tu as permis juste qu'en croyant, Seigneur, ô Dieu, cela devienne possible pour moi, Seigneur, ô Dieu. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus, Seigneur, ô Dieu. Oui, c'est pourquoi je veux te dire merci, Seigneur, ô Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ô Dieu, je veux te dire merci, Seigneur, ô Dieu. Oui, c'est pourquoi je veux chanter. Jésus, la vie a été donnée, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Jésus, oui, Seigneur, ô Dieu, c'est pour toi, Seigneur, ô Dieu. C'est toi, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, ô Dieu, nous voulons juste te dire merci. Nous voulons juste te dire merci, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons juste te dire merci, Seigneur, ô Dieu. Oui, merci, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons juste te dire merci, Seigneur, ô Dieu. Yeah.
Tu es bon pour moi, oh
me gardes. Oui, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu est bon, tu es bon. Il est bon pour moi. Pour ce mois, nous allons commencer un nouveau thème. Et le thème, c'est « Suivre Jésus, est-ce difficile ?» Et tout au long de ce mois, nous allons parler des disciples. Nous allons réellement savoir qu'est-ce que cela signifie « Suivre Jésus ». D'accord ? Pour commencer aujourd'hui, je vais te parler d'un anniversaire. Je vais le dire comme ça. C'est sûr que tu aimes les anniversaires. Moi, en tout cas, j'aime les anniversaires. Et en particulier mon anniversaire. Parce que je reçois beaucoup de cadeaux et je crois que toi aussi, tu es tout content, tu es tout joyeux. Peut-être que tu vas sortir avec tes parents. Peut-être qu'on va t'offrir ce cadeau, ce jouet que tu désirais tant. Et bien, le jour de ton anniversaire, on te l'offre. Et tu vois, il y a cette joie-là, il y a cette grande joie-là. Et encore mieux, je veux dire, lorsque il y a quelqu'un que tu aimes bien qui t'invite, n'est-ce pas que tu es content? Tu vas regarder dans ton placard, tu vas sortir ton plus beau vêtement, tu vas te préparer, et puis tu vas aller à l'anniversaire de ton ami. Ça peut être ton cousin, ça peut être quelqu'un d'autre que tu apprécies beaucoup, un autre membre de la famille, peut-être éloigné. Mais tu es tout content de recevoir cette invitation-là. On peut aussi t'envoyer l'invitation, une carte, et tu te dis « Ah, mais c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est mon camarade de classe qui m'a invité et je veux aller à son anniversaire. » Figure-toi aujourd'hui que Jésus t'invite. Et l'invitation de Jésus, c'est de devenir son disciple. N'est-ce pas aussi que c'est super génial de devenir le disciple de Jésus. Amen. Moi, je suis contente d'être disciple de Jésus. Et j'espère qu'après cette leçon, tu seras aussi content d'être disciple de Jésus. Et tu pourras peut-être me demander, mais Tata, pourquoi on devient disciple de Jésus? Mais d'abord, c'est quoi un disciple? Est-ce que tu sais ce que ça signifie un disciple? Peut-être que c'est un mot compliqué pour toi, peut-être que c'est un nouveau mot pour toi. Peut-être qu'on t'a
déjà, tu as déjà entendu parler des histoires de la Bible où on parle des disciples de Jésus. Mais réellement, est-ce que tu sais ce que ce mot signifie? Un disciple, ça peut être un homme, ça peut être une femme, et ça peut être un enfant comme toi. C'est quelqu'un un jour qui décide de suivre Jésus. C'est quelqu'un qui décide de marcher avec Jésus, d'obéir à sa parole, de réellement garder les leçons qu'il donne, ses enseignements, de les mettre en pratique. Être un disciple de Jésus, c'est ressembler tout simplement à Jésus. Tous les jours de sa vie, tous les jours. Et pour répondre à la question, pourquoi nous devons devenir un disciple ou des disciples de Jésus? Tout d'abord, parce que Jésus est le chemin qui nous conduit vers le Père. C'est le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Il n'y a pas un autre chemin, non. C'est seulement Jésus qui nous emmène vers le Père. Et aussi, parce que Jésus veut être notre Seigneur et notre Sauveur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. À cause du péché, on ne pouvait plus être dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient avec Dieu. Mais dès l'instant où ils ont désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde et ils se sont séparés de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, c'est pour nous réconcilier avec le Père, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous sauver du péché. Le péché qui est d'abord une nature, avant de poser un acte, avant de dire « Non, je frappe quelqu'un, tu fais un croche-pied, tu insultes, tu pousses, tu voles, tu mens. » Dieu est venu te délivrer de cela et le moyen qu'il utilise, on va dire la personne qu'il a envoyée, c'est Jésus. Jésus qui est ton sauveur, mais qui aussi va devenir ton Seigneur pour venir gouverner ta vie. C'est un peu comme le roi. Tu vois, dans certains des animaux, dans certaines nations, il y a un roi qui dirige, c'est un roi qui s'occupe de tout le pays. Il donne des lois, il donne des règles, mais il améliore aussi la vie des habitants de ce pays-là ou de ce pays-là. Ça peut être une histoire, une contrée dans les dessins animés. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. C'est ce que Jésus veut faire. Jésus veut t'apporter en tant que Seigneur de bonnes choses dans ta vie. Et la troisième raison, c'est parce qu'il veut tout simplement être avec toi et qu'il veut t'utiliser. Ça peut paraître bizarre, mais Jésus aime ta présence. Jésus t'aime et il veut être avec toi. Il veut passer du temps avec toi et il veut t'utiliser. Dans la Bible, on nous raconte beaucoup les aventures des disciples, de ce qu'ils ont fait. Ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils ont été d'une grande aide pour annoncer, pour propager la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est notre Seigneur et qu'il est notre Sauveur. Amen! Mais vous allez encore peut-être me poser une autre question. Mais Tata, comment est-ce qu'on fait pour devenir un disciple réellement? Tout d'abord, il faut se repentir. Vous allez me demander, Tata, qu'est-ce que ça signifie se repentir? Ça veut dire qu'il faut demander pardon à Dieu et abandonner son péché. C'est décider de ne plus vivre comme avant, de ne plus faire ces mauvaises choses-là et de faire les bonnes œuvres, de faire les bonnes actions comme Dieu le veut, comme Jésus a fait en marchant sur terre. Même étant petit, Jésus était obéissant, il a appris l'obéissance. Et c'est la même chose aussi avec toi. Vous vous rappelez, je vous parlais avant du royaume des ténèbres et du royaume de la lumière. Donc, lorsque tu te réponds, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu étais déjà dans le royaume des ténèbres. Et quand tu demandes pardon, tu te retrouves maintenant dans le royaume de la lumière. Tu abandonnes toutes ces mauvaises choses-là. Tu as maintenant un nouveau vêtement, tu es tout propre, tu es lavé, tu es tout beau et tout propre. D'accord? Et dans ce même processus, lorsque tu te réponds, tu demandes pardon. Ensuite, tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je vous l'ai expliqué lorsque je vous ai donné les raisons pour lesquelles nous devons devenir
des disciples. Amen. Et aussi, nous devons simplement accepter de suivre ses traces, accepter ses enseignements, écouter ce qu'il nous dit. D'accord? C'est ça, c'est ce qu'il faut faire pour devenir un disciple. Et puis, vous allez me poser certainement une dernière question. Mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment est-ce que ma vie va changer en tant que disciple? Puisque je vous ai dit que le disciple met sa vie au même niveau, je vais dire ça comme ça, que le Seigneur Jésus. Puisqu'il veut ressembler au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce que les choses vont se passer par la suite? Amen. Donc, premièrement, il doit renoncer à lui-même. Ce sont un peu des expressions compliquées. Qu'est-ce que ça signifie, renoncer à soi-même? Ça veut dire abandonner sa vie. Ça veut dire réellement à Jésus, Jésus prend le contrôle. Je ne veux plus décider de ma propre vie. Peut-être que toi, tu as des rêves, tu as des passions. Mais c'est dire maintenant, aujourd'hui, comme j'ai accepté Jésus, je vais laisser Jésus diriger ma vie. Je vais demander à Jésus, Jésus, qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois être dans l'avenir? Quelle étude je vais faire? Réellement, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que c'est Dieu qui t'a créé et donc c'est Dieu qui te connaît. Et Jésus pourra mieux t'aider afin d'être cette personne-là que Dieu avait prévu que tu sois. Amen. C'est décider de ne plus s'attacher à toutes ces choses qu'on aime bien parfois et de dire que je veux vivre pour Jésus. Je veux réellement me sacrifier comme lui il s'est sacrifié pour moi. Abandonner ces mauvaises choses et marcher comme lui. Vivre comme lui. Et deuxièmement, il s'agit aussi de porter sa croix. Porter sa croix chaque jour. C'est sûr que tu as déjà suivi peut-être le dessin animé de la vie de Jésus où il portait sa croix. Eh bien, lorsqu'on devient disciple aussi, nous portons notre croix. Et nous portons notre croix tous les jours. Nous n'abandonnons pas. Aujourd'hui, on ne va pas se lever le matin comme par exemple lorsqu'on est fatigué d'aller à l'école. Non, aujourd'hui, je suis fatigué, je ne veux pas aller à l'école. Et puis, tu dors. Et puis, ça devient un peu compliqué avec les parents. Tu dis, non, réveille-toi. Après, tu pleures, tu boudes, c'est compliqué. Ben, donne marche avec le Seigneur. En fait, tu vas te dire, non, mais Seigneur, je suis fatiguée aujourd'hui, je fais ça, j'ai arrêté de mentir, j'ai arrêté de frapper, Seigneur. Pourtant, je suis gentille, j'aime les autres, je pardonne maintenant, mais aujourd'hui, vraiment, Seigneur, je suis fatiguée. Et je veux te dire que tous les jours, tu ne dois pas abandonner, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Tu sais, le Seigneur Jésus ne nous donnera pas, je vais dire ça comme ça, une croix qui sera tellement lourde à porter au-dessus de toutes nos forces que cette croix-là va nous écraser. Non. Il faut que tu le comprennes bien, que le Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus n'est pas méchant. Et qu'il nous a donné son Esprit Saint afin de pouvoir bien vivre et marcher comme Jésus. Sinon, ça devait être compliqué, sinon ça devait être impossible. Et suivre Jésus, c'est simplement décider d'obéir à Jésus. Lorsque Jésus aujourd'hui te dit, nous allons à gauche aujourd'hui. Lorsqu'il va te dire, aujourd'hui nous allons à droite, c'est d'obéir et d'aller à droite. Même si parfois tu ne veux pas, même si tu as peur parfois, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais parce que c'est Jésus qui te le dit, parce que tu as confiance en Jésus, parce que tu as la foi en Jésus, tu dis, ok Seigneur, je vais obéir. Je vais décider de soumettre ma volonté, de mettre ma volonté sous ta volonté, de mettre toutes mes décisions sous ta décision et de croire que ce que tu veux pour moi est bon, que tu ne me feras pas de mal. Amen. Nous allons lire notre verset à mémoriser qui se trouve dans Luc, le chapitre 9, au verset 23. Il est dit ceci. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Encore une fois.
Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Nous allons décortiquer ce passage. Il dit si quelqu'un, quelqu'un ça peut être toi, quelqu'un peut être moi, ça peut être moi aussi. Ça peut être ton petit frère, ça peut être ta petite sœur, ça peut être papa, ça peut être maman. Toutes les personnes qui décident d'accepter Jésus, on peut remplacer par cela. Donc tu vas mettre ton prénom. Peut-être que tu t'appelles Benjamin, ou je ne sais pas, tu t'appelles Emmanuel. Peut-être. Si Emmanuel veut venir après moi, qu'Emmanuel renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Venir après moi, c'est marcher derrière moi. Donc Jésus fait un pas, un autre pas. Et toi derrière, tu viens, tu suis les mêmes traces de pas, tu suis les mêmes traces de pas. Tu vois, c'est comme par exemple, maman, on a fait le ménage à la maison. Et puis si tu as les pieds sales et que tu marches, tu vas laisser des empreintes, tu vois. Imagine aussi que lorsqu'on suit Jésus, on va dire qu'il marche et qu'il laisse des empreintes de pas. Et toi aussi, tu marches après lui, en suivant ses mêmes pas, en suivant ses mêmes pas. C'est la même chose, c'est absolument la même chose. Et il a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il décide de ne plus vivre pour lui-même, même étant enfant. Ce n'est pas seulement pour les adultes. Tu dis non, je suis un enfant, mais je préfère déjà garder ma vie avec Jésus. Je décide de ne pas vivre comme les autres enfants, de ne pas suivre la tendance actuelle, la mode actuelle, avec toutes ces choses qu'on voit sur Internet, toutes ces choses qu'on dit parfois à l'école. Je décide de marcher comme Jésus. Et ça ne va pas faire de moi quelqu'un de bizarre. Souvent, lorsque tu dis à tes amis que tu es chrétien, on te regarde comme ça, on te dit « Ouf ! Vraiment, tu es sûr que tu as fait le bon choix ?» On peut se moquer de toi, mais n'abandonne pas. Ça pourrait être difficile, mais n'abandonne pas. Jésus aussi a vécu les moqueries et il n'a pas abandonné, il est mort à la croix. Et s'il avait abandonné, ben nous, ben on allait être perdus. On allait être perdus. Alors rappelle-toi, à chaque fois que c'est difficile, dis-toi que Jésus l'a fait. Dis-toi que c'est possible. Être un jeune disciple, c'est possible. Même dans les temps modernes, ça n'existait pas juste à l'époque des disciples. Et qu'aujourd'hui, il faut être moderne, on a changé de vie, on s'habille maintenant différemment. Non, non et non. On change de langage. Non, non et non. D'accord? Ok, on poursuit encore dans l'explication. Il dit que c'est chaque jour. C'est chaque jour. Il n'y a pas de vacances. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, ça va. Demain, je vais prendre des vacances de ma vie chrétienne. Aujourd'hui, je décide de vivre comme je vivais avant. Non, c'est tous les jours que tu dois vivre comme Jésus. Jésus, dans sa vie, il n'a pas dit, bon, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Vraiment, ce peuple et ces personnes, elles sont trop compliquées. J'abandonne un peu mon travail et je pars en vacances. Je pars à la plage et je vais vivre ma vie. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Et si Jésus l'a fait, crois que toi aussi, tous les jours, tu peux le faire et tu peux demander au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à marcher comme Jésus. Aide-moi tous les jours à porter ma croix, à ne pas abandonner même si c'est difficile. » C'est peut-être difficile, mais pas impossible. C'est possible. C'est possible. Tu dois croire en cela. Et il dit, et qu'il me suive. À la fin, il dit, et qu'il me suive. Et je vous assure que lorsque le Seigneur nous dit, suivez-moi, ça veut dire qu'il est devant. Donc, nous sommes juste derrière lui. Et que si à un moment, on semble peut-être tomber ou tituber, rassure-toi qu'il te rattrapera. Et qu'il peut peut-être marcher dans ce sens-là, permettez-moi, mais il peut aussi te regarder et puis marcher comme ça avec toi. Voyez un peu comme on apprend à faire les premiers pas aux petits bébés, aux petits enfants, on les tient et puis ils nous suivent au fur et à mesure, un pas après un autre. C'est la même chose que Jésus fait avec nous. C'est la même chose. Alors si tu avais encore peur, si tu doutais encore, tu te demandais, est-ce que réellement je dois suivre Jésus? Est-ce que réellement je dois être un disciple? Aujourd'hui, que cette peur-là te quitte au nom de Jésus. Si à un moment tu disais, j'aimais bien venir à l'église, j'aimais bien entendre des enseignements, mais j'ai écouté aussi ce que les autres disaient et j'ai abandonné, j'ai arrêté, je me suis refroidie, j'ai dit, bon,
Je suis encore petit. J'aurai toute la vie devant moi pour accepter marcher comme Jésus. Figure-toi que non. Parce que nous ne savons pas de quoi est fait notre lendemain. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Tu sais qu'il y a aussi des enfants qui meurent. Il y a aussi des enfants qui ne grandissent pas, qui n'atteignent peut-être pas l'adolescence et qui s'en vont malheureusement. Mais toi, où est-ce que tu veux finir? Comment est-ce que toi, tu veux décider de réussir ta vie? Ce n'est pas simplement en ayant de bonnes notes, ce n'est pas simplement en étant dans une bonne école. Tu te dis, ah mais moi, ma vie, elle est superbe, elle est géniale, j'ai tous les cadeaux. Non, réussir sa vie ou avoir une belle vie, c'est avoir la vie de Jésus. Et ça commence dès notre enfance. Alors, je t'invite à accepter l'invitation de Jésus. C'était le titre de notre leçon aujourd'hui, l'invitation de Jésus. Jésus t'appelle ou Jésus t'invite à devenir son disciple. Est-ce que tu veux simplement devenir son disciple aujourd'hui? Là où tu es à la maison, tu peux fermer les yeux et nous allons prier. Nous allons prier pour toi et nous allons prier avec toi. C'est une très grande décision, mais c'est aussi une bonne décision. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur, ô éternel, qui décident de te suivre, qui décident, Seigneur, aujourd'hui de marcher comme toi, Seigneur, d'abandonner, Seigneur, leur ancienne vie, Seigneur, ô éternel Dieu. Ces enfants, Seigneur, ô éternel Dieu, qui ne comprennent peut-être pas tout, mais qui en eux, Seigneur, ressentent cette paix-là, qui en eux, Seigneur, ressentent ce désir de vivre comme toi, Seigneur, ô éternel. Nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui touches les cœurs, parce que c'est toi qui convainc, Seigneur, ô éternel Dieu. Je prie pour un enfant, Seigneur, en ce jour, ô éternel Dieu, que toutes ces histoires, Seigneur, qu'il a entendues de la Bible, Seigneur, où il a vu que David, il a tué Goliath, où il y a eu des morts, Lazare qui est revenu à la vie, où il y a eu des lépreux qui ont été guéris. Seigneur, que réellement que cet enfant puisse vivre cela, Seigneur. Qu'il ne se dise pas que c'est une histoire qui reste dans la Bible. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Et partout où on a mis le mot disciple, je peux mettre mon prénom et dire que je veux aussi vivre cela. Que ce ne sont pas de simples aventures, non, comme on voit à la télé ou dans Superbook, dans les dessins animés, mais ma vie aussi peut être semblable. Ma vie va aussi être semblable, va ressembler à la vie de Jésus. Je vais guérir des malades, je vais ressusciter des morts. Et s'il faudra multiplier de la nourriture, je pourrai le faire. Et aussi, lorsque je vais mourir, je vais revenir à la vie comme Jésus. Parce que réellement, je suis sauvée. Parce que réellement, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, Seigneur, qu'il y a un enfant qui décide réellement d'abandonner le péché, de quitter, Seigneur, le royaume des ténèbres pour ton royaume aujourd'hui. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal à tes yeux. Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu m'aimes. Je renonce, Seigneur, à mon ancienne vie. Je renonce au péché. Mais aujourd'hui, Seigneur, je décide, Seigneur, aujourd'hui, je décide de vivre avec toi. Je décide de marcher avec toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je veux t'aimer tous les jours de ma vie et je ne veux pas t'abandonner. Je te demande ton aide, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire ce chant avec le chanteur dit. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour les Jésus. Amen. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux
Bien, disciple de Jésus. À dimanche prochain. Au revoir.